Et bonjour mesdames et messieurs, on se retrouve pour une nouvelle VOD Monster Hunter 3 Ultimate. J'adore dire ça, c'est excellent. Alors, on se retrouve pour la revanche. Et oui, messieurs, dames, la revanche, souvenez-vous, c'était terrible, on s'est fait massacrer la gueule par le David Joe. Donc là, ça devrait le faire, on est à 3 avec les frérots. Il y a toujours Morkai qui est avec nous, bien entendu, et Im qui nous a rejoint. Donc on a fait un peu le stock dont on avait besoin, 10 mégapopo, 10 popo, ça devrait suffire, on l'espère, on va faire attention. Et surtout, on a mangé en se mettant un maximum de défense immunitaire, de défense forcément, en augmentant sa jauge également. C'était très important pour moi. Alors, on y va. En plus, c'est sur la toundra. Souvenez-vous, la toundra, c'est pas dingue. Arrête. C'est pas dingue. Allez, il faut harceler le David Joe, c'est plutôt lui hein, qui nous harcèle actuellement. C'était assez compliqué, on va porter nos couilles. Oula. Attends, j'arrive, je me fais agresser, les gars. C'est quoi ce délire? Faut que je prenne un breuvage chaud, là. Ah. Comment dire? Comment dire qu'il est en face de moi? Le mec est en train de se faire un barbecue calme. Voilà. Alors, attendez. Voilà. Bon, moi, je me faisais un petit steak au cas où. Ok. Bon, il m'a pas repéré, hein. J'ai pu me faire chauffer un petit steak sans aucune pression, mesdames et messieurs. Ah, il a mis de la viande, apparemment. C'est quoi? C'est des viandes empoisonnées? Ok. Non, monsieur. Tranquille, frère. Tranquille. Alors, attention. Comment il fait? Alors, est-ce qu'il va la manger comme ça, la viande? C'est ça ma question aussi. Ok, il n'a pas eu. Alors, on va taper un petit peu. On va commencer, il va hurler là, je pense. Voilà. Voilà, c'était sûr. Fallait qu'il se mette à hurler. Fallait qu'il fasse son intéressant. Attention, là, il y a peut-être moyen qu'il crache ses trucs là. Ah oui. Donc, ça va extrêmement loin. On en est là, les gars. Je pensais pas que ça allait si loin, ce truc là. Et je me souviens plus en plus que ça fait des trucs très bons. Chercher le katana, c'est le bon moment. C'est la bonne nouvelle. Ok, guys. Ok, il tape avec ses petites pattes. Et ça peut frapper, attention. On va reculer. Ah, c'est vrai que j'ai pas eu le réflexe de vraiment bouger tout à l'heure. Ça touche quand même, hein. On passe dans le jaune, hein. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Oh putain, oh fat le con. Sérieusement, tu me touches comme ça? Tu vas faire le droit, toi, oh. C'est quoi l'effet dragon déjà? Vous m'avez dit la dernière fois, c'est un effet qui est trop chiant en plus. J'ai pris le petit coup. Dites-moi, je me souviens pas. Oula. La dernière fois, c'est comme ça qu'il m'a tué, hein. C'est à la relevée. Ah oui, à la relevée, à la frame près, il m'avait touché, messieurs, dames. Et ça, c'était une catastrophe. Ok, guys. Pourquoi il mange pas? T'as pas faim? Mange tes petits steaks là qu'il y a par terre là. Tout le monde veut que tu les manges, ces steaks. Ah, fourniture livrée. On est sur une bonne nouvelle pour les gencives sensibles. Donc là, on va pas trop faire le con en vrai. Ce qu'on va faire, c'est que. On va reculer, voilà. Oh, c'était sûr. Et puis on va prendre une petite potion tranquille. Hein. Attention, ça tape. And David Joe. Non. Échec critique de ma part. Catastrophe. Bon, on va en profiter tant qu'il est par terre. Ah d'accord, super. Oh les gars, non, mais hé. Alors donc les potes là qui me frappent, moi, je pensais qu'on avait un minimum de respect l'un envers l'autre. Un snack. Tandia. On va prendre une méga popo. Ah putain, c'est pas bon ça. Ça passe. Nickel. C'est surtout son crachat là. Ça c'est. C'est horrible. Non, mais je passe derrière ta bouche. Je suis en dessous de sa mâchoire. Sérieusement. Ça c'est pas censé toucher. Ok.
Non mais ouais, vous avez vu? Vous avez vu Morkai qui n'hésite pas à me frapper sans aucune pression? Alors c'est quoi le duo? Non, personne m'a dit ce que c'était. Personne peut me dire ce que c'est exactement. Je crois que c'est le truc dragon, mais je sais plus. Oui, c'est le truc dragon, c'est sûr. Je sais plus ce que ça fait l'effet dragon quand il est sur moi. Donc on verra. Je crois que je suis une merde quand j'ai l'effet dragon. Ok, on a pas touché. En tout cas, c'était vraiment très intéressant hein, d'aller le chercher. Merde. Bon. Il y a le piège à côté. Bon, est-ce qu'il va y aller dans ce piège? Ce serait peut-être temps de faire quelque chose. Voilà, c'est parti, allez, on le démonte les gars. N'hésite pas. Mais putain, mais Morkai! Oh mais c'est trop chiant. Oh, c'est... Elle est pourrie ton arme. Morkai il a pris une arme juste pour nous pisser dessus. Oh là 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 là, quelle catastrophe. Voilà, je dépasse ta queue. Là, tu peux aussi faire ça avec ta queue. Que des idiots. Hop là. Eh ouais mon pote. Non, il boite absolument pas, hein. Il s'en bat les couilles. Bon ça va, ça se passe déjà un peu mieux que la dernière fois, j'en ai bien l'impression. Alors on a fait un petit steak à point. Oh merde. Salut Frantic, salut à ceux qui rejoignent. Eh bah écoutez, là le début du jour pour l'instant ça se passe pas trop mal comparé à la dernière fois. On avait plus de soucis la dernière fois. Vraiment, on avait largement plus de soucis. Donc on va y aller, il est là-bas. Bon, ce qu'il y a, c'est que j'ai perdu ma charge katana, quoi. Avec toute cette histoire. Et Morkai, il me respecte absolument pas. Bon, je saurais toujours pas ce que ça fait le truc dragon, j'irai voir après. Il arrête plus, il... Tiens, là, je vais sortir de la masse. Attends. Je sors de la map. Je sors de cette map. Allez, hop, on y retourne. Non mais ça c'est vraiment chiant quoi, quand il est sur le bord. Puis on est mort quasiment ici je crois là. Non juste dehors encore une fois. Attention. Il a la bouche là qui... la bouche qui pète un câble. Et on tape les gars. Allez on se laisse pas avoir. Putain ouais d'accord, la puissance de l'arme a complètement diminué. Ah oui d'accord. Ok guys. Méga potion. Tranquille, je suis envoyé spécial. Je suis là, je suis en train d'aiguiser ma lame. Regardez-moi cette belle lame. En voilà une lame qu'elle est belle. Allez, tranchant au maximum, on est dans le bleu de nouveau. Résistance au froid expiré, mais non mais attendez, mais hé hey, il peut pas y avoir tous les malheurs qui m'arrivent d'un coup. Bon. Ok. Donc là on est bon. Alors normalement. Ah putain le katana j'allais dire il est chargé. Hein quoi? Ça va pas? Vous êtes des malades. Voilà. Alors si je fais ça hein, c'était juste pour charger mon katana hein, bien entendu. C'est beaucoup plus simple avec une cible nulle comme celle-là. Wow. Calm down Devil Joe. Oh my god. What are you doing? Ferme-la. Ah ça fait mal hein. Ça fait mal ce que je te mets un petit peu. Ouais par contre il est tout rouge. Il est rouge de colère, il est rouge d'énervement. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça se fait que t'es tout rouge? Putain mais arrêtez de me frapper. Bon, Si je prends le truc c'est votre faute. C'est votre faute. Vous m'avez touché avec vos armes. Mais putain mais à la base c'était des frérots ces mecs là. Et voilà. Ce ne sont plus des frérots. Regardez-moi ça. Censé être des amis. C'est quoi ces dégâts? Par contre, je me tire. Non, mais je m'en vais. Par contre, je cherche même pas à me garder avec toi là. Ça va maintenant. J'ai plus de vie.
Et tout ça, c'est à cause de qui? C'est à cause de Morcaille. Voilà, Morcaille qui me met des coups pendant le combat. Super. Tu penses que c'est là que tu penses que c'est un ami? En fait, pas du tout. Le mec te plate, hein. Te plante une épée dans le dos. Hein. C'est pas un couteau dans le dos, c'est une épée. Alors là, me frappe pas la tête de ma mère. Dégage. Voilà, c'est bon. Voilà. Allez, Morcaille, il met tout. Rien à foutre. Moi, je vais taper les autres plutôt que le monde maintenant aussi. Hein. Ça va être beaucoup plus marrant. Bon, on est dans le violet, c'est une bonne nouvelle. Ouf. Là, j'aurais pu prendre très cher. Mais heureusement, c'est une machine. Alors, putain, mais je suis grosse machine. Là, par contre, je l'ai comboté, frère. On a vu que la poisse, elle a fait son effet aussi. Un petit effet sur sa gueule. Voilà, il est par terre. Allez, on donne tout. Allez, boum. Avec tes petites pattes nulles. Attention, ne me touchez pas pendant le combo. Ouais, voilà. Ça, c'est. Putain, c'est beau ce qu'on lui met. Qu'est-ce que c'est beau. Par contre, là, il doit boiter. Et là, au moins, il doit boiter, là. Parce que, avec tout ce qu'on lui met. Parce que la dernière fois, on a eu beaucoup plus de mal, hein. Arrête de frapper comme ça et de faire tomber des stalagmites, des stalactites, des stalactites. C'est enfin voyons. Je vois qu'il souffre hein, quand je le frappe. Tu souffres là. Il a pas l'air de vouloir bouger. S'il boite pas franchement après tout ce qu'on a mis. Non il boite pas. Mais non. Mais gros il boite même pas. Putain, horrible. Me frappe pas la tête de ma mère, me frappe pas. Voilà, c'est bon, on a rechargé. Les gars, il ne boite pas, c'est trop fort le David Joe, c'est plus fort que toi. Bah c'est le Joe, c'est le Joe Lopez. C'est le frère maléfique de Joe Lopez, on le rappelle, donc c'est peut-être pour ça. Par contre, il était pas du tout là pour blaguer, hein, actuellement. Je vous avoue que j'ai serré des fesses. C'est bon, c'est bien les gars, c'est bien ce qu'on produit. Voilà, c'est bien ce qu'on produit. La petite poisse qui fait son effet, mon pote. Voilà. Ah, là ça boite. Là ça ferme sa gueule maintenant. Bien joué ça les mecs. C'est ça qu'on veut. Super Brawl BBQ. Bon, on y arrive un petit peu, vous avez vu ça? Ah, d'accord, l'élément du dragon. Ça supprime. Ça supprime temporairement l'élément statut de ton arme. Ici la poisse du coup. D'accord. Ok. Alors moi je pensais que c'était un truc encore pire. Bon c'est vrai que ça peut être chiant. Mais voilà. Je vous le dis. Ça peut être très chiant. Bon j'ai un petit steak à prendre moi par contre. Ah tu l'as capturé. Ah d'accord. Bon fallait me dire que toi t'étais là. T'étais en train de capturer tranquillement. Bon bah écoutez un petit Devil Joe terminé. Alors que la dernière fois il nous a eu, mais c'est vrai que je trouve extrêmement pénible hein, ce mob là. Monsieur le David Joe. Je crois que c'est franchement il fait partie de mon top 5 des mobs les plus chiants, le David Joe, juste à cause de son souffle et du dragon qui fait extrêmement mal je trouve. Mais vraiment ça fait trop mal. Et en plus de ça, t'es là, tu perds la poisse. Bon à la base moi je fais une arme poisse, c'est pour m'en servir. Donc voilà. Non mais c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, c'est plutôt nice. On est tous très très heureux en tout cas. Good job, comme on dit dans le milieu, GG well play, nickel. Voilà. Oh là là le Z. Oh là là le David Joe. Bon là on l'aura eu. Mais alors cette arme c'est quoi? C'est que tu as fait les épées à deux mains? Parce que là Morca il arrêtait pas de nous mettre des patates avec. C'était super chiant. C'était tellement facile d'esquiver ça. Bon. Les gars bon arrêtez de mettre des coups là. Ah oui après. Tout le monde se met des coups. Rien ne va plus. Success. Bon, on a eu la quête. Alors, voyons voir ce qu'on a eu. Le duo est vaincu. Le duo Lopez. Une belle bête. Putain, c'est une belle bête. Alors, vers boîte à objets. On a eu quoi? Récompense. Ticket obtenu en faisant preuve de bravoure. Collectionner sa paix. D'accord. Un truc qui s'appelle récompense. Écaille du David Joe. Le croc du David Joe. La salive du David Joe. Ça serait très bon ça. Croc de Wyvern. Ah, un charme brillant. Duros monstre. Os précieux rarement cédé par les Wyvern. Difficile à forger, mais puissant. D'accord, très bien. On a du rare 6 ici, encore un griffe de David Joe, scalp de David Joe, très bien. Et nous allons évaluer tout de suite ceci.
On voit équipement, alors c'est quoi? Leader plus 3, génialissime. Vraiment très très heureux d'avoir obtenu tout ça. Mais c'est surtout 4666 goldes. Parce qu'on manque de thunes. Mais on manque de thunes, vous n'avez pas idée, mesdames et messieurs. Si tu as une gemme des Joe pour la première, ce serait... Ah, il faut une gemme aussi. Ah oui, ce serait vraiment beau. Mais non, on n'a pas eu de gemme, malheureusement. Mais j'ai eu la gemme du bras qui dit à sa force. Donc sauvegardons la progression, bien sûr. Sauvegardons, sauvegardons. Par contre, on aura besoin de potions. Et de méga potions. Par contre, j'ai plus de miel. Et ça va être difficile pour faire des méga potions. Plus de miel, les gars. Je vous le dis. 4 méga potions. 4 méga potions. Je peux refaire. Bien sûr. Je peux en refaire quelques-unes, mais c'est tout. Alors, synthétisons des méga potions. Bah, je peux en faire 5, quoi. Voilà. Et après, j'ai plus rien. Après, j'ai plus rien. Comment vous dire que c'est la Hesse dans le milieu. Boîte à objets. Alors nous on a ça, on va aller poser la queue du David Joe. Des belles queues en tout cas. On en a des belles queues hein, en ce moment. Donc c'est bon. Et on va récupérer. On va récupérer les méga popos. Bah j'en ai 6. Pile 6. Ou à la limite que j'utilise que les potions et en dernier recours les méga potions quoi. Mais bon. Parce que j'ai plus de miel et que j'ai pas les points suffisants là pour faire ce que j'ai envie de faire. Alors c'est bon, on est bon. On va aller voir ici. Bonjour, aïe, j'aimerais acheter des potions. Est-ce que vous en avez? Bah c'est génial, vous en avez. Excellent ça. Ok. Ok. 5000... J'ai 5300 quand même. Je suis un peu riche. NDR. On va en prendre 5. Snack de Tanzia là, qui sont pas mal. Ensuite on a deux légisoires, on en a. Breuvage chaud. On va en reprendre quelques-uns. Ça coûte aussi cher. Tout ça? Non mais l'inflation des prix les gars, ça va. Breuvage frais. Hein. J'essaie d'en prendre le maximum. En fait, comme ça, c'est fait. En gros, là, j'ai utilisé ma prime pour acheter plein de trucs. Il me reste une viande crue. Non, mais je dois en avoir dans le truc. Salut, il y a Mélion qui est avec nous. C'est dingue ça, Mélion. Mélion de. Il a quoi comme stuff? Oh, j'ai pas eu le temps de voir. Alors, supprimant des objets, à savoir ce qu'on veut, ça va être de la viande crue. J'ai la viande empoisonnée sinon. Viande teintée. Viande crue paralysante. Donc voilà. Alors, viande crue. En vendre quelques-unes, genre 9, voilà, pour faire des viandes. Et on va manger. Alors c'est quoi la quête là par contre? Bon parce que vous êtes bien un bout, vous êtes bien. Chasse nocturne. Ah le Nargacouga! Très bien, bien sûr. Alors quel élément est-il celui-là, Nargacouga? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est ce Nargacouga? Ça me dit quelque chose, je l'ai déjà fait, je me souviens même plus. Non, Nargacouga, on l'a pas fait. On l'a pas fait encore. Attendez, je vais aller voir le stuff de monsieur là-bas. Quel élément Nargacouga? Est-ce que je dois utiliser une arme en particulier? Alors Mélion. Mélion, excusez-moi, mais Mélion rang 106. Ah oui, d'accord. Très bien, le mec, il est pas pour plaisanter. Mais ça va, il joue le jeu puisque ça vient avec le Katana Dios. Casque lui droit du. Non, c'est bien. Il a pris ce qu'il fallait prendre. On est sur du rare 6. Rare 7. Attends, je mange. Non, go, calme-toi déjà. Je mange. Je vais refaire comme tout à l'heure. J'ai pas mangé en fait. J'arrive. Royal. Je vais faire comme tout à l'heure, franchement. Bah, 50 de vie, ça me convient. Les effets de la nourriture suscitent ma prêt à être évanoui au combat. Ça, c'est bien. On sait jamais. Alors, le Nargacouga, on dirait un peu un Tigrex. Un Tigrex? Pas ce que c'est un Tigrex, mais. Un Tigrex, je sais. Un Tigrex, c'est un tigre qui est dinosaure, peut-être. Je sais pas. Bon, écoutez, voilà. On joue sur quoi? Sur Wii U. Messieurs, dames, bien entendu, Wii U. Attendez, vous êtes là, vous posez des questions. Wii U parce que je n'ai pas de quoi capturer la 3DS, sinon on aurait fait Monster Hunter 4 Ultimate, hein, ça aurait été complètement dingue. Mais là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout, d'accord? Donc, restez calme, s'il vous plaît, calmez-vous, je vais m'énerver. À tout moment, je m'énerve. Bon, hein? Twitch Alert is now 100% free. Oh là là, this is the fate. Awesome, now let me stream. Ouais, maintenant, laisse-moi tranquille. D'accord, je reçois des pop-up, là, de Twitch Alert. Waouh, awesome, et 100% free. Excellent travail. Alors, c'est parti. Nargacouga, mesdames et messieurs. C'est un genre de Tigrex. Non, mais arrêtez de dire ça. Le Tigrex, là, ça m'énerve. On y va. Il a une faiblesse feu et foudre. D'accord. Tout ce que je n'ai pas, au final. Après, c'est pas très grave. Ah, apparemment, il est déjà là-bas. Enfin, il y a déjà quelqu'un qui est là-bas. On sait pas très loin. C'est par ici. Oh, ah, d'accord. Oh non, ça, le Nargacouga. Ça ressemble à... Ah ouais, d'accord. Trop stylé.
Voilà. Ah oui, donc il est vraiment dur parce que je suis en tranchant bleu et ça rebondit. Oh là là. Attendez, monsieur dame. Ouh la vache. Ah oui, d'accord. T'es un rapide, toi. Hein. Il est stylé. En vrai, il est stylé. Il est grave stylé, le truc. Oh la vache. Oh, il est vraiment rapide. Hein. C'est vraiment un monstre qu'on n'apprécie pas trop. Il me prend focus, quoi. Waouh. D'accord, il a fait ça deux fois. Et... là, il saute, il s'en va. D'accord, très bien. Il a hurlé, calme-toi. Oula. Attention à sa queue. Apparemment, il a une queue de queue épinée là. Oh, regardez les yeux. Oh, regardez les gars, on dirait quoi, que le basket, il est dans la zone. Trop marrant. Trop marrant, il est dans la zone. Avouez, dites-moi, c'est Kagami. C'est Kagami Taiga. Le mec est dans la zone, regardez ses yeux. J'ai trop pensé à Kuroko, trop marrant. Non, moi je tape, hein. Après, voilà, c'est là, je crois que pas. Ah bah moi je tape, hein. Je continue encore une fois. Hein. Je lui ai mis tout ce que je pouvais lui mettre. Ah par contre, là, il m'a mis un petit dégât. Pas piqué d'un ton. Le snack de ton dia tout quick. Et on va partir sur une méga potion. Et une potion. Tranquille, tranquille. Tranquille frère, on reste tranquille. Allez, on y va. Attention les gars. C'est trop ça. L'armure Narkakuga est top. Des talents vachement intéressants basés sur les esquives. D'accord. Bah en tout cas là je peux voir que j'esquive beaucoup hein, les mecs hein, c'est vraiment cool. Passerait pas mais on sait jamais. Ah bah si ça passe. Attention les gars, c'est l'heure de bouger. Ouais, ce que j'allais dire. C'est l'heure de bouger. Malheureusement, c'est pas trop d'accord mon truc là. Pas vraiment bouger. La fonction. En tout cas la régène de base hein, qui est vraiment augmentée grâce au snack de Tandia MDR. J'ai l'impression que ça augmente pas la régène comme l'autre truc là qui augmente réellement la régène, hein, d'accord. Ça c'est vraiment débile. Mmh. Ah le stream a crashé. Comment ça? Ah le stream a crashé, ah très bien, d'accord. Bon bah Dailymotion. Oh putain ouais, Dailymotion. D'accord. Bon, on peut choquer les déçus mesdames et messieurs de ce crash. Hop, on va en snap. Ok, monsieur. Non, j'ai pas eu. Viens dans le piège. On va taper, taper tant que vous pouvez. Oula. Oh la vache. Eh hey, my god. Oh my god. On va prendre deux popos. Oh my god, mes chers. Faut que tu reviennes. Voilà. Ça tape, ça tape, ça tape. D'accord, pas du tout. C'est absolument pas touché ce que je voulais faire. Par contre, ils lui ont pété la queue. On est sur une vraie bonne nouvelle. Elle est où sa queue? Elle est là. Salut belle queue. Encore une fois une belle queue hein, qui est là. Voilà, la queue naturelle est revenue à la normale. Ok, c'est parfait. Attention, qu'est-ce que ça fait? Mon dieu, et ça essaye d'attaquer encore une fois. Et ça repart dans l'axe avec Garbajosa. Attendez, ce moment là. Taper quelques plis et ensuite. Attention, reculons, reculons, il repartira. Oula! Ouais dis donc! On va pas monsieur! Alors, un aiguisoir. Oh d'accord. Mec il envoie des petites flèches au calme. C'est veille. Mec il envoie des carreaux d'argent. Non tout le monde a crash apparemment, je sais pas pourquoi. Bah délit. Vraiment, vraiment bien. Alors attendez, reculons, reculons.
Bon, reculons, avançons, avançons. J'aimerais lui placer mon combo. Putain, ouais, d'accord, il ne boite absolument pas d'ailleurs. Il est là, il sent pas les couilles. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'envole? Je peux voler? Dis donc. Dis donc. Monsieur peut s'envoler. Ah, très bien. Alors oui, il a vraiment des ailes, mais je pensais que c'était des ailes un peu comme, comme les écureuils volants. Il pouvait juste planer. Mais non, apparemment, il peut vraiment s'envoler, quoi. Mais par contre, je trouve vraiment, vraiment stylé, cette espèce de mélange de je sais pas, de mélange, quoi, au final. Voilà. Tu vas le dire. Donc ça doit être par la droite. Ici même, mesdames et messieurs. Ouais, ouais, je vois que les gens sont très réactifs. Donc c'est par là. Ouais, ici. Calme-toi. Voilà. Moi j'ai touché, j'avais plus. Attention, attention mesdames et messieurs. Qu'est-ce qu'il y a, un problème là? Vas-y, vas-y, on tape. Et voilà mon pote. Attends, ça me touche. Je pensais que j'avais des frérots, attention. Ça va taper très vite. Et là il est dans la zone encore une fois. Putain, les gars. Allez. Attention, qui veut utiliser l'Ignite Pass. Mec, il est tout à fond dans le gros pot. Non mais la traînée des yeux, je trouve ça trop stylé. Mais c'est vraiment ça, c'est la zone, quoi, c'est la zone. Ah mais what? Ah ça y est, on est devenu une petite merde. Je penserais bien que mes potes, mes propres potes ne me frappent pas, quoi. Bon c'est trop chiant, on va le faire comme ça là. Attends, voilà. Dès que je me décide à le poursuivre comme ça, il s'envole. Bon, mais mon ami, par où vas-tu aller? On t'attend. Bon, là-bas. Ok, let's go. Est-ce que je serais pas perdu un peu? Est-ce que nous, on s'est pas un peu perdu? Ah si, complètement. Il dort ici normalement. Ah d'accord. Eh ben moi je sais pas, j'ai vu passer par là. Je me suis posé des questions les gars. Je me suis dit est-ce que c'est vraiment la bonne direction? Et apparemment absolument pas. Bon ben on arrive. My bad. J'étais en train de me promener. Donc apparemment il dort ici. Il faut passer par où? Par la gauche. Par là là. Bah je sais pas, moi je l'ai vu arriver de l'autre côté. Enfin, j'ai vu partir de l'autre côté, c'est pour ça que je me suis posé des questions. Allez. J'arrive, le mec sort. Calme-toi. Et là, en plus, il a une espèce d'énorme balafre dans la gueule, là. Oh là là, tu vas te calmer. Tu te calmes. Tu sais que je le touche pas, hein, vraiment. Oh là là. Et je suis vraiment l'atout de l'équipe. En touchant absolument pas du tout. C'est bien. Voilà, bah GG, les gars. Allez les potes! J'ai toujours pas mis le GG moi. Bon eh bien écoutez, bien réussi. On n'a eu aucun souci, je tiens à le dire. Il dort ici normalement. Il dort ici normalement, ouais c'est ça. Là il dort profondément, là il dort pour toute sa vie. Donc on l'a eu sans problème. Quoi? La vie des mobs? Non, on voit pas la vie des mobs. Ah non, les gens qui pensent que la vie en haut c'est ma vie. C'est ma vie à moi. Ça n'a rien à voir. Rien à voir, rien à voir du tout, messieurs dames. La vie des mobs, justement, n'apparaît pas dans Monster Hunter, ce qui est beaucoup plus marrant, parce qu'au final, vous êtes sans cesse à la découverte. Et il y a des signes, ce sont des petits signes, parce qu'en vrai, quand tu vas à la chasse, toi qui es chasseur, toi qui es derrière, Gigi, t'as eu l'item rare de la médula? Hein? Ici, un peu. C'est la médula. Médula Narga, c'est quoi ça? Ah ouais, j'ai ça apparemment. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air trop cool. Ça a l'air vraiment bien. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, quand tu vas à la chasse, bah tu sais pas la vie qu'ont les sangliers. Et non, bah, là c'est pareil. Non, on sait pas. Envers boîte à objets, messieurs et dames. Peau Narga Kuga. Rasoir Narga. Ah, oh, c'est quoi ça? Sueur d'armure dure. Oh, ça c'est tout dur ça, mon pote. Grande coque d'os. Duros monstre, rasoir Narga. Ah bah, on gagne même des rasoirs, mon pote. Si ça c'est pas beau, le fait d'avoir un petit rasoir ça fait quand même vraiment plaisir. Bon les gars, on va pas se le cacher, nous tout ce qui est rasoir on aime bien. On sauvegarder, bien sûr qu'on va sauvegarder. Sauvegardons notre progression. Alors regardons un peu ce qu'on a eu, c'est quoi? Ouais, sur la queue t'as chopé un item rare.
Alors, et ça sert à quoi alors, du coup? Ça sert à quoi cet item super rare? Non mais, putain, alors, bof. Vous entendez les bruits que ça fait? Trop bien. Petite musique tranquille au Kamzer Citizer. Bah, je vais aller poser ça. Je vais aller voir en vrai qu'est-ce que ça a pu débloquer comme arme ou quoi. Ou qu'est-ce. Parce que c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, on a fait pas mal de mobs. On rigole, messieurs, dames, mais. Enfin, tout va bien, mais. Mais d'un côté, stocker objet. Alors, Narga, ok. Et ça, c'est Medulla Narga. Très douloureuse au toucher, ce qui la rend difficile à travailler. D'accord. Il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Alors, on va aller voir au niveau des forgerons, messieurs, dames. Voyons voir ce qu'on peut produire. En termes d'armes, en termes d'armure, si je dois changer aussi. Si je devrais. Oh, je vais une patate. Si je dois changer. Alors, voyons voir. Alors, création. Bah, déjà des armes. Non, bon, en épée longue. En katana. Aussi, on a un katana de folie. Ah oui. On peut en faire là des nouveaux. Diapason. Alors, Dios, c'est ce qu'on a fait. Sabre caché. Oh, mais il est stylé. Pilleur cruauté. Oh, mais non. Mais c'est trop marrant ça. Alors, voyons voir. Pilleur cruauté. Après, bon, moi j'ai Katana Dios Plus. 687 x 180. Là, tu vas faire quoi? 660, 594. Vous ne m'intéressez même plus. Vous ne m'intéressez même plus, mais laissez-moi vous le dire, messieurs, dames. Je suis la machine. Mais il faut quoi en plus pour faire ça? Ah! Pour ça, il faut la Medulla Narga, apparemment. Pour faire ce truc-là. Mais elle est jolie. Mais ça n'a pas l'air ouf, quoi. C'est pas ce qu'on recherche, messieurs, dames, je vous le dis. En marteau, est-ce qu'on a des nouveaux marteaux, là, un petit peu? Des marteaux. Marteau du diable. Putain, le marteau du diable. 1144! Et on n'est même pas dans le bleu avec ça. Alors, griffe du Devil Joe. Cuir Devil Joe, croc Devil Joe. Et il faut le Skulragan, d'accord. Ok, le scu, je sais pas. Ah là celui-là on peut quasiment le faire. Le casseur d'ombre. Oh il est beau. Enfin c'est il ressemble fortement à celui qu'on a l'habitude d'avoir mais en dark un petit peu. Marteau d'usurpateur, c'est quoi ça? C'est avec qui ça c'est quoi? Zinogre. Allez, marteau du queue de Dios. Oh là là. Ah oui on peut. C'est vrai qu'on peut faire celui-là, on a tout. Pour le braqui, du truc du braquidios, c'est vrai qu'on peut le faire. Après est-ce qu'il est vraiment intéressant? Masse critique dessus. Après, faut voir, est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas? Tu comptes pas changer d'armure? Si, parce que déjà, je la trouve extrêmement moche cette armure, hein, faut pas se cacher. Au bout d'un moment, ça va. Alors, voyons voir. Voyons voir, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on a débloqué? Côte Vengis. C'est quoi? Ah, truc du David Joe. Est-ce que c'est stylé? Oh, c'est stylé, truc du David Joe. Ah, David Joe, c'est pas mal. Alors, Uragan. Uragan, c'est vraiment, on dirait Blitzcrank. Gros, je suis Blitz. Quoi. Diablos S, ouais, bon, ça on a vu. Et Brachydios. Alors après, je peux faire le set Brachydios, peut-être. Peut-être est-il intéressant de faire un set Brachydios, je sais pas. Il faut, en tout cas, il faut du Fusium et de la fièvre brûlante plus. Donc, ce que je n'ai actuellement pas du tout. Oh putain, c'est vrai qu'il y a la Gacrus, le Zinogre, pardon. Oh, le Zinogre, pas mal, pas mal. La Gacrus, on va y voir. Ça c'est quoi, le Nargacuga? Ah oui, Nargacuga, par contre, ça fait un peu SM, quoi. Je suis pas très très fan. Le Nibble Snarf! Le Plésiote. Keratian, d'accord. Ouais. On a pas mal de choses. Bon, Barot S, c'est ce qu'on a déjà. Organ Case, Yojiria, petite question. As-tu vu l'anime Shigatsu wa Kimi no Uso? Si oui, tu apprécies la musique classique. Sinon, j'adore tes streams. Bah, déjà, merci, mon ami. Et non, je n'ai absolument pas vu cet anime. Après, est-ce que j'apprécie la musique classique? Donc c'est bien géré quand ils font des OST justement d'anime etc, les musiques classiques. Donc oui ça va, je suis pas un fan de musique classique ou quoi ou qu'est-ce, hein, mais moi j'apprécie tous les styles de musique de toute façon. Et par exemple l'opening de Elfen Lied qui a rien à voir avec un opening conventionnel, j'adore cet opening, je trouve trop trop bien, trop stylé. Qui fait très opéra, très, très mystique. Donc voilà pour répondre à ta question, mais je n'ai pas vu l'anime en effet, donc c'est terrible, c'est une catastrophe. Mais merci, j'irai jeter un coup d'œil apparemment, parce que si on conseille des trucs c'est que ça doit être forcément bien. Alors en vrai, vous conseillez quoi? Uragan, c'est l'armure de Garen. Oui, à peu près. L'affinité sur les armes, Jiraya, c'est les chances de critique. D'accord. Je vous lis. Moins intéressant, je pense. Une arme Dios lente, vu que l'explosion dépend du nombre de coups donnés. D'accord. Ouais, donc moins intéressant. D'accord. Tu comptes pas changer d'armure, Gigi? Donc ça, c'était tout à l'heure, en fait. Je me répète. D'accord. Bah, je sais pas trop, je sais pas trop. De toute façon, vous me direz aussi dans les commentaires si vous avez des armures à me conseiller, des trucs à me conseiller, parce que je vous avoue que là, est-ce que je dois vraiment faire le set Brachydios? Parce que le set Brachydios, apparemment, m'a dit que c'était vraiment très très bon. Donc, est-ce que je dois le faire, quoi?
Où est-ce que je dois faire ce set pour avoir ça, par exemple? Bon, là, je deviens Nautilus. Les gars, ça n'a aucun sens, le truc. C'est plus fort ou moins fort, ça? Ouais, 50, c'est plus fort. Bah oui, forcément. C'est rare 6. Ok, bah, faudra regarder en termes d'armure et tout le toutine. Bon, et eh bien écoutez, mesdames et messieurs, on va terminer la VOD ici parce que c'est vrai que j'ai pas vu l'heure, c'est 53 et comme on est en stream, on va devoir faire une petite pause. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi en tout cas une fois de plus cette partie de Monster Hunter avec la revanche du David Joe et le Nargacuga. C'est très sympa, c'est très bien en multi en plus, on rigole bien. Donc ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants pour sur le stream. Pour vous, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce vert des familles et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite. Salut!